Je suis musicien. Je suis musicien, c'est mon métier. Et aujourd'hui, c'est jour de concert. Les jours de concert ne sont pas des jours comme les autres. On est pris mentalement par cette échéance dès le matin. Alors on essaie de tromper l'ennui et s'occuper pour évacuer le trac qui monte peu à peu. Mais quoi qu'on fasse tout au long de la journée, on a ça en arrière-plan. Ce soir, ça joue. Même l'éveil musical que je fais dans les écoles de ma ville tous les vendredis n'a pas la même allure, les jours de concert. Parce que tout simplement, les jours de concert n'ont pas la même allure que les autres jours. Ce soir, on va jouer avec le groupe L'Affaire Capucine. Ce sont mes amis, j'aime ces gens. Et eux aussi sont musiciens. Comme moi, ils ont plusieurs projets qui les font vivre, mais on se retrouve tous les cinq sur celui-ci. Ensemble, on crée des textes, des musiques, qu'on triture, qu'on arrange, qu'on modèle, et qu'on répète pour en arriver à cette finalité que nous atteindrons ce soir, jouer ces chansons en concert pour des gens. Nous sommes intermittents du spectacle, ça veut dire que nous sommes tous issus de métiers différents, musiciens mais aussi éclairagistes, sondiers, chorégraphes, danseurs, comédiens, clowns, réalisateurs, décorateurs, maquilleurs, réalisateurs, régisseurs. Cette année, nous avons eu du mal à exercer ces métiers que nous aimons tant. Mais nous ne baisserons pas les bras, jamais. Parce que notre sacerdoce, c'est votre évasion. Notre travail, c'est votre échappatoire. Et nous donnerons tout pour que 2022 redonne les couleurs dont notre quotidien a tellement besoin pour rêver. Donc, pour vivre.